Bonjour, je suis médiatrice à la bibliothèque de Toulouse sur le pôle L'œil et la lettre, service spécifique pour l'accueil des personnes en situation de handicap. Je vais vous expliquer comment rechercher un livre numérique sur le site de la bibliothèque de Toulouse. Le livre peut être dans une version audio ou audio et texte numérique. Quand vous êtes sur la page d'accueil de la bibliothèque, cliquez sur le lien Catalogue en haut à droite. Ensuite, cliquez sur le lien Handicap. Une fois sur cette page, cliquez sur le lien Un livre numérique. Vous allez pouvoir faire une recherche par titre ou auteur ou en toute zone. Toute zone signifiant que la recherche va se faire indifféremment sur l'auteur et le titre d'un ouvrage. Par exemple, je vais dans la zone de recherche et je tape Joël Dicker. Je sélectionne par auteur et je clique sur Rechercher un livre numérique. J'ai 21 résultats de recherche suite à ma demande. Et pour un même titre de livre, j'ai jusqu'à 3 possibilités de localiser l'ouvrage. Première possibilité, il est possible que le livre se trouve physiquement dans une bibliothèque de Toulouse, dans un format audio. Dans ce cas, sur la page de recherche, il y aura seulement le titre, sans mention supplémentaire. Je clique sur le titre pour avoir la fiche complète et connaître la bibliothèque où se trouve le livre. Il vous faudra donc vous déplacer pour venir le chercher. S'il est déjà emprunté, vous pouvez en faire la réservation. Attention, il vous faudra une carte de lecteur de bibliothèque. Aussi, il peut éventuellement se trouver auprès de nos partenaires en téléchargement, soit dans un format audio ou audio et texte numérique. Il peut se trouver sur le site de la médiathèque en ligne EOL. Dans ce cas, sur la page de recherche, la mention EOL DESI apparaît à la suite du titre du livre. La fiche du document vous renverra alors vers leur site. Une inscription est obligatoire. Soit vous pouvez prendre contact avec la bibliothèque EOL ou le pôle L'œil et la lettre peut vous inscrire au préalable. Vous recevrez ainsi un identifiant de connexion par mail pour télécharger l'ouvrage. Le livre peut également se trouver chez l'autre de nos partenaires, la bibliothèque en ligne de l'Association des donneurs de voix. Dans ce cas, sur la page de recherche, la mention ADV apparaît à la suite du titre du livre. La fiche du document vous renverra directement vers leur site. Pour bénéficier de ces ouvrages, il vous faudra voir directement sur leur site pour vous inscrire. Attention, le format de l'ouvrage sera un livre audio au format MP3. Ce service est valable pour toute personne en situation de handicap ou empêchée de lire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter le pôle L'œil et la lettre par mail ou au téléphone ou directement via la page Facebook.